Et salut à tous, c'est Kino. Et si vous êtes là, c'est que vous voulez de la news sur Halo. Et ça tombe bien, parce que j'en ai à vous proposer. Alors avant d'attaquer le gros du sujet, ce qui intéresse, une petite info sur la série télé Halo. Un second showrunner vient épauler Otto Bathurst, je ne sais toujours pas prononcer son nom. La série avance donc bien, petit à petit, et nous vous tiendrons informés dès qu'il y aura un petit peu plus d'informations. Voilà, donc ça c'était le petit mot cool de ce côté, on passe à Reach à présent. Vous savez, Reach va être intégré à la MCC, à la Master Chief Collection, et ça va être aussi le premier jeu qui va sortir sur PC. Nous ne vous avons pas précisé en vidéo que le système de personnalisation de Reach allait être de retour. Toutes les armures de Halo Reach seront présentes et personnifiables, et on peut même espérer voir la même chose arriver pour Halo 3 et Halo 4. Alors on parle de Reach, mais qu'est-ce qu'il en est de sa forge et de son cinéma? Ils sont prévus, ne vous inquiétez pas, mais ils arriveront un petit peu après la sortie du jeu. On parle également de cross-platform, vous savez, la possibilité de jouer entre console et PC. Il semblerait que ce soit d'actualité, mais également pas prévu pour la sortie du jeu. Alors pour rappel, si vous avez envie de jouer à Halo sur PC, que vous possédez Windows 10 ou même Windows 7, vous pourrez acheter les jeux qui arriveront les uns après les autres en commençant par Halo Reach, le Xbox Live n'étant pas nécessaire. Les dates ne nous sont pas encore communiquées, mais une news vient de tomber et les phases de test pourraient commencer dès le mois d'avril pour les inscrits au programme Halo Insider. Pour plus d'informations sur tous ces points, n'hésitez pas à aller voir dans la description, les petits liens sont posés là pour vous. On se retrouve très bientôt pour plein d'Halo comme on aime. Salut à tous, vive Halo !